Deuxième partie de Politici, à votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré au Cameroun. Et nous l'avons dit, le double scrutin législatif et municipal est prévu le 9 février 2020. 35 partis politiques sont en lice, mais certains, dont le MRC de Maurice Kamto et le Cameroon People's Party, le CPP d'Edith Kawala, ont appelé au boycott. Un boycott qui est loin de faire l'unanimité au sein de l'opposition camerounaise, comme le montre ce sujet signé Gaël Claude Nelly et Bessamanga. Depuis l'annonce de la tenue le 9 février 2020 des élections municipales et législatives au Cameroun, plusieurs partis ont plaidé pour un nouveau report de ce scrutin. Ces partis, ayant appelé les citoyens à mener une campagne de boycott du double scrutin, s'appuient sur des arguments divers, notamment la crise anglophone qui dure 3 ans et le code électoral. Un appel à boycotter les élections n'ayant pas empêché le gouvernement de maintenir la date du 9 février comme jour de vote. Nous condamnons ceux qui boycottent les élections parce que ce n'est pas républicain, de même que ceux qui essayent d'empêcher les Camerounais d'user de leur pouvoir et leur droit civique de participer aux élections. Nous voulons rassurer ceux qui nous écoutent que les élections au Cameroun, nous l'espérons, se passeront dans de très bonnes conditions. Cette campagne mitigée au regard de la posture de certains partis qui, malgré les conditions posées pour la tenue de ce scrutin, sont déployés sur le terrain pour battre campagne pour les candidats inscrits au sein de leur parti. D'autres, par contre, voient en ce scrutin un tournant décisif en projection des élections présidentielles de 2025. Il ne faudrait pas que plus tard, les acteurs du boycott, qui disent être acteurs du boycott actif, qu'ils ne se plaignent pas quand on leur aura imposé la dureté de la loi. En rappel, le mandat des conseillers municipaux et députés élus lors du double scrutin du 30 septembre 2013, prorogé de 12 mois en juillet 2018, a encore été prorogé le 16 juillet 2019 jusqu'au 29 février 2020. Madame Eleman, vous vouliez répondre à Claude Wilfried Ekanga qui évoquait des faits concrets qui justifient, selon lui, la situation de blocage qui empêche le MRC de participer à ce scrutin. En fait, je ne voulais pas répondre à M. Wilfried Ekanga. Je l'exhortais à voir la politique au Cameroun d'une autre façon, parce qu'ils sont en permanence dans la condamnation, ils sont en permanence dans l'accusation du gouvernement. On ne peut pas bâtir un pays dans ces conditions-là. Nous avons besoin de remettre l'autorité au centre de nos débats. Nous avons besoin de remettre la loi. Oui. Nous avons besoin de démocratie. Oui. Mais la démocratie suppose la pluralité d'opinions. Oui, on est d'accord. C'est pour ça qu'on est sur ce plateau. Je suppose que Absolument. Vous avez fait un casting pour la pluralité de ces opinions-là. Absolument. En tout cas, je vous en sais gré. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on est aujourd'hui dans une phase très, très concrète du processus de démocratisation du Cameroun. On a reproché pendant longtemps à l'État camerounais d'être centralisé. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un mode de gouvernance d'un État décentralisé comme celui du Cameroun. Ça me permet d'embrayer sur la deuxième partie. Boycotter, décider de boycotter des élections, c'est un choix. Mais on sait que la politique de la chaise vide n'a jamais rien remporté. Comment, expliquez-moi comment on peut être si contradictoire, comment on peut être si paradoxal de réclamer la pluralité, la démocratie et de prôner le boycott. Mais enfin, c'est un droit d'aller voter. C'est une citoyenneté, c'est une manière de participer à la construction de la démocratie. On va évoquer des faits concrets, des éléments concrets, puisque effectivement j'aime qu'on soit concret dans mon émission. Un petit rappel très rapidement, Alain Jules Meunier. Actuellement, le RDPC est le parti au pouvoir à 148 députés à l'Assemblée nationale. Il faut quand même rappeler également qu'on a au total 180 députés. Hein. Oui, au total. Donc, sur les 180, le RDPC a 148 députés. On comprend l'enjeu. L'enjeu, c'est de conserver, j'imagine bien, cette majorité. Et elle est encore plus écrasante au Sénat, composée de 100 sénateurs, 93 pour le RDPC. Et ce n'est pas en boycottant les élections qu'on va le changer. Et 7 pour le social-démocratie. Démocratique au fond. Alain Jules Meunier, vous avez effectivement. Est-ce que c'est joué à l'avance? Ben écoutez, quand on regarde la configuration, n'est-ce pas, sur le plan géographique, aujourd'hui, on voit très bien que le RDPC est assuré d'avoir minimum 134 députés. Il faut le savoir.
Et donc, c'est pour cela que ça me fait comment, souvent... Comment va-t-on à une élection en étant assuré d'avoir autant de... Non, mais c'est simplement parce que, voilà, quand il y a un parti qui est majoritaire, c'est du travail. Ne serait-ce que sur le terrain, il faut le reconnaître au moins, c'est d'avoir l'honnêteté intellectuelle de savoir que le RDPC est le seul parti qui est implanté sur tout le territoire. Et je vous le dis pourquoi. Je vous le dis simplement parce que les partis qui vont participer à cette élection... Ça veut dire qu'il n'y aura jamais d'alternance au Cameroun. Non, mais écoutez, pour avoir alternance, il faut travailler sur les populations et non venir faire des meetings à Paris. C'est ça le problème. Donc, en fait, ce qui se passe réellement au Cameroun aujourd'hui, et je vais vous dire, moi, je n'ai rien contre le MRC, mais la posture actuelle du MRC, une espèce de posture victimaire, avec toujours ce discours anxiogène pour faire peur aux gens, Il a passé neuf mois en prison quand même. Oui, certes, mais sachez que, et je le répète encore une fois, le RDPC est assuré de gagner 130, il aura 134 députés, ça c'est acquis. Pourquoi ? Parce que les partis qui participent... Les autres partis je vous explique pourquoi. À cette élection pour quelques sièges seulement. Les autres partis qui participent, il y a le parti du jeune Cabral Libi, je crois qu'ils ont 14 candidats à la députation, et les autres, ceux qui sont là. Donc, à cette élection. Par rapport à cela, quand vous me dites que le parti de Mme Kawala boycotte, le parti de Mme Kawala ne représente absolument rien. L'élan qu'avait aujourd'hui le MRC... Et c'est pour ça que je parle d'une fuite en avant. Allez, je vais le venir. Ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas capables de cet ancrage territorial. Ce que représente territorial. Un parti en thème électoral, ce sont les électeurs qui le décident. Oui, c'est un travail sur le terrain. Et effectivement, ce sont les électeurs qui décident. Donc il faut être honnête, avoir cette honnêteté telle que de reconnaître qu'on ne peut pas que de raconter tout et n'importe quoi. Nous avons effectivement compris les raisons que vous aviez évoquées dans la première partie de notre émission pour justifier le boycott auquel vous appelez auquel appelle le MRC. Mais quand même, je voudrais quand même qu'on se base sur un fait concret pour comprendre votre posture, Claude Wilfried, Ekanga. Qu'est-ce qui, dans la situation sécuritaire, dans les régions anglophones de votre pays, a négativement évolué aujourd'hui pour que vous appeliez à boycotter ces élections après avoir accepté de participer à la présidentielle de 2018? Juste pour comprendre, je vous sais assez pédagogue et je vous sais assez pertinent quand vous expliquez les choses. Dites-nous, juste pour qu'on comprenne. Quand on est à Paris, tout a l'air d'aller bien dans le meilleur des mondes. Le cynisme que le RDPC affiche, que ce soit sur ce plateau ou en terre camerounaise, donne l'impression que quand il y a des Camerounais qui perdent la vie dans le Nozo, c'est quelqu'un d'autre qui est... Mais vous n'êtes pas plus... S'il vous plaît, madame. Je répète, le cynisme, cette incapacité à dialoguer là est la raison pour laquelle le dialogue national au Cameroun a été un échec. Non, ça n'a rien à voir. S'il vous plaît, madame Lemaine. La mort de l'antilope est dans son sabot. Quand on ces formules, on les a entendues. S'il vous plaît, madame Lehmann. Non, soyons sérieux. S'il vous plaît, madame Lehmann, on laisse Claude Wilfried Kanga. Si vous ne voulez pas que quelqu'un vous accuse 200 fois d'être voleur de manioc, cessez de voler le manioc. Ne vous plaignez pas qu'il vous accuse. Ces formules ne marchent plus, monsieur Kanga. S'il vous plaît, madame Lehmann. Ce ne sont pas des formules. Vous vous indignez qu'on vous accuse de fait que vous répétez. Allez-y, Claude Wilfried Kanga. Remettez-vous en question. Allez-y, répondez. S'il vous plaît. Et je suis dedans. Merci. Comme on est dans le fait, comme on est dans la science. Après les marches du 26 janvier, qui sont une expression de la démocratie, qui ont été réprimées, on a dit, attention, rappelez-vous de ce qui s'est passé 3 ans, ou à l'époque 2 ans plus tôt. Des gens qui ont voulu exprimer ce que la loi leur permet de faire ont été brutalement réprimés par la police et ça a radicalisé certains d'entre eux, ce qui nous a donné l'ambazonie, le point de départ de la crise actuelle. Et l'incapacité des gens à reconnaître une erreur qu'ils avaient faite a accentué encore les choses. Nous avons essayé d'organiser, Madame Lehmann disait tout à l'heure qu'on ne fait pas de meeting à Paris, quand je parlais de cynisme. Nous avons demandé plus de 200 meetings à Yaoundé dans les villes camerounaises qui ont été interdits par la police. J'ai, c'est-à-dire pour le MRC, initié ce qu'on appelait les journées d'adhésion massive. Nous avons commencé en février, nous avons essayé en mars encore. La militarisation de la ville donnait l'impression que Ben Laden était ressuscité et qu'il fallait le neutraliser. Mais Claude Wilfried, la vraie question c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui plus de troubles dans les zones anglophones qu'en 2018 quand vous acceptiez de participer à la présidentielle? Le scénario post-électoral
à justifier grandement pourquoi, exceptionnellement, nous avons accepté d'aller au présidentiel de 2018. Les contestations de 92 étant derrière nous quasiment de la génération précédente, il fallait réactualiser et apporter des faits à ce que nous apportons comme accusation envers le RDPC pour qu'ils ne disent plus qu'on les accuse pour rien. Donc on y est allé en disant si les choses se passent bien, vu le formidable travail que nous avons mené, nous avons des chances de gagner. Mais maintenant, si le RDPC continue dans la procédure qui a toujours été la sienne, ce sera compliqué. Et on a vu avec les PV au Conseil constitutionnel, avec le fait qu'au mépris de la loi, Émile Sembé, Jean-Baptiste Bascouda, vous voyez, je vous cite des noms, des gens qui sont membres du Conseil constitutionnel et qui sont en même temps membres du RDPC, qui après étaient obligés d'aller retirer les noms pour briller les pistes. On l'a vu avec les émissaires de Transparency International de Paul Atanganji, dont personne n'a pu déterminer la provenance. Donc, ces éléments-là ont conduit à ce que nous avons réactualisé les preuves de fraude du régime. Eno Abrahams Egbe, le président du Conseil électoral, dit que toutes les dispositions sont prises pour sécuriser les opérations de vote. Vous avez le regroupement des bureaux de vote en des lieux, à un nombre réduit de lieux. Vous avez l'établissement des corridors de sécurité, à la fois pour sécuriser les électeurs, mais aussi les responsables politiques et leurs meetings. Ces dispositions sécuritaires ne trouvent pas... Mais si la zone est en paix, pourquoi avoir besoin de cela? Est-ce que les candidats sont allés battre campagne? Et c'est d'ailleurs ça la question. Les gens pensent que c'est en devenant leader qu'on se fait reconnaître de la population. C'est en se faisant reconnaître de la population qu'on devient leader. Ça veut dire avant qu'est-ce même les élections. Qu'est-ce qu'il aurait alors fallu faire pour que il vous acceptiez déjà, oui, il aurait déjà fallu avant les élections que ceux qui aujourd'hui sont candidats participent à la revendication de ceux qui réclamaient plus de liberté publique, plus de justice sociale, plus de lumière sur les malversations et non d'attendre le contexte de campagne pour dire voilà, votez-moi parce que je vais œuvrer pour ce changement-là. Si la participation collective avait été efficace, peut-être, et si l'appel au dialogue avait englobé tout le monde, si on avait accepté d'écouter ce qui ne nous plaît pas, on aurait fait ce qu'on appelle le compromis. Oui. Je n'aime pas ce que tu dis, tu n'aimes pas ce que je dis, bon, rencontrons-nous au milieu. Personne en réalité, au MRC, le fait pour le président, en octobre 2019, d'avoir ordonné l'arrêt des poursuites contre ces détenus, et on a vu aussitôt après, Maurice Kamto a été libéré, ces mesures-là ne trouvent pas grâce. À vos yeux, vous pensez qu'il faut en faire davantage pour que vous acceptiez de participer à cette élection? Oui, bien sûr, incarcérer quelqu'un pendant 9 mois et être incapable de déterminer sa culpabilité, il n'a pas à s'excuser. C'est pour ça qu'on ne parle pas d'absolution ou de pardon. Okay. Il a abandonné les poursuites faute de preuves. Parce que quand vous avez 9 c'est comme ça que vous prenez ça. Hein, mais évidemment, puisqu'il n'y en a pas. Quels étaient les chefs d'accusation? Quels étaient les éléments qui prouvaient les chefs d'accusation? Hostilité à la patrie, rébellion et tout ce que ça contenait dans les dossiers. Qu'est-ce qui nous a amenés à... Pour un dernier point, très rapidement, Claude Wilfried Ekanga, qu'est-ce que vous aurez attendu dans les zones anglophones pour accepter de participer à une élection? J'aurais attendu que même s'il est en prison, même s'il est le démon, parce que c'est de ça qu'il s'agit, le pragmatisme. On n'est pas dans l'idéologie et l'angélisation des gens. Sissiko, Ayuk Tabe et sa suite, en fait, tous ceux qui ont œuvré à envenimer la situation à ce moment-là, vu qu'eux trouvent grâce aux yeux des gens qui sont là-bas, qui voient en eux des modèles, il faut être en mesure d'accepter cela. On les appelle et on dit, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on peut faire? Même si nous, on voit en vous le méchant, vous avez quand même la capacité de calmer d'une certaine façon les gens dans ces régions-là. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que personne n'est gagnant. Même si on dit on va assassiner tout le monde, et voilà, envahir ces zones, c'est le Cameroun qui est perdant. Fermer les yeux sur les crimes qui ont pu être commis et partir sur de nouvelles bases, c'est ce que vous conseillez. Il faut dialoguer. En tout cas, les solutions ne sont pas préétablies. Y compris par avec un seul ceux qui ont grandement abîmé le Cameroun. Oui, je veux écouter les anglophones. Je ne veux pas être la solution. Je vais les écouter et je vais faire la balance avec ce que je pense. C'est ce qu'on aurait dû faire. C'est très clair. Et vous ne craignez pas que la politique de la chaise vide vous porte préjudice? Comment voulez-vous vivre en dehors de la maison de la République qui est prévue pour l'opposition, c'est-à-dire le Parlement? Ça prouve que le MRC, pour le bien des Camerounais, est prêt à renoncer à la présidence. On l'a accusé de vouloir le pouvoir à tout prix. Et maintenant, on lui demande comment il va faire sans la possibilité de porter un candidat à la présidence, comment il va faire pour la suite. Le fait de dire... Les morts au Nozo nous sont prioritaires par rapport au poste électif, pour moi, est une grande prouesse sociale. Et le fait de pouvoir faire cela
et d'avoir en face des gens qui sont surpris et qui nous disent que mais vous voulez la présidence à tout prix, comment vous allez faire pour avoir la présidence? C'est ça la contradiction. Mmh. On nous accuse d'avoir le pouvoir à tout prix et on nous accuse de renoncer au pouvoir. Madame, le moins qu'on puisse dire, c'est que la situation n'est pas encore totalement calme dans les zones anglophones de votre pays. Il pose comme préalable le fait pour le président d'après, en tout cas pour le pouvoir, de discuter avec tout le monde sans exclusive pour trouver des solutions consensuelles et que le dialogue, objectif que le dialogue, selon lui, le grand dialogue national n'aurait pas atteint. Monsieur Togbe, quand oui. Je vous disais tout à l'heure que c'était fatigant d'entendre les mêmes rhétoriques, faire de la politique, c'est de trouver des solutions. Monsieur Biya, est président de la République. De grâce, qu'on accepte et qu'on entende que quand on est président de la République, on doit exercer ses responsabilités. Le MRC, pour le moment, n'est pas au pouvoir. Or, la personne qui est président de la République du Cameroun a essayé de trouver des solutions pour les crises, pour la crise anglophone et pour ce qui se passe dans notre pays, qui est grave, qui devrait même aller au-delà du parti politique, qu'on soit du MRC ou du RDPC. Moi, je voudrais dire au MRC qu'ils n'ont pas le monopole de la compassion ni de l'empathie face à nos frères anglophones. Parce que nous avons tous des cousins au sud-ouest et au nord-ouest, parce que les frontières de nos pays, des colonies, des ex-colonies, ont été tracées de manière arbitraire. Et c'est important de revenir sur l'histoire. Alors, soit on reconnaît que cette histoire a des conséquences, que ce que nous vivons aujourd'hui est quand même historique, et on essaye de faire avec cette histoire qui est la nôtre. C'est pour ça que je disais que c'est en permanence fatigant d'entendre les mêmes choses. Au fond, vous m'avez posé la question. Il a évoqué deux points importants. C'est pour ça qu'il a évoqué deux points importants. De la situation sécuritaire encore volatile dans ces deux régions. Deux points importants que nous et tous. Et le fait que certains soient exclus du dialogue. Le dialogue national a été convoqué. Certaines personnes ont refusé de venir au dialogue, ont boycotté. Ça, c'était le premier boycott, j'ai envie de dire. Si en permanence, le président de la République essaye de mettre des choses en place pour résoudre les problèmes et que certains ne trouvent qu'en réponse que du boycott, l'absence, la chaise vide, qu'est-ce que vous voulez qu'un État qui a déjà fait preuve d'humilité? Parce que rappelons quand même qu'il y a des mesures qui ont été proposées, des prisonniers qui ont été sortis. Ça ne suffira jamais. On a l'impression que c'est... qu'on évolue alors qu'il y a d'autres qui tirent des ficelles derrière. S'il vous plaît, essayons d'être responsables. Il s'agit de notre pays. Nous ne pouvons pas nous amuser avec la vie de nos concitoyens. Donc ça demande qu'on soit responsable plutôt que de mettre des choses dans le carcan individuel. Vous me posez la question sur la politique, à moins que je ne sache pas ce que c'est que la politique, sinon je ne serais pas autour de cette table. On ne fait pas de la politique pour être président ou pour avoir des postes. Moi qui suis autour de cette table, je n'ai aucun poste, je ne suis pas président. Je n'ai même jamais été dans un gouvernement. Ce que a le MRC est beaucoup plus. Le président du MRC a eu 7 ans, 7 longues années pour participer à tout ça, contrairement à moi qui suis insulté. Donc j'ai envie de dire, soyons responsables. Soyons responsables et essayons de trouver des solutions pour notre pays. Ça demande du civisme, ça demande un peu d'obéissance plutôt que de la rébellion permanente. Voilà ce que j'ai envie de dire. Meunier, ce qui est curieux, à la fois curieux et intéressant, c'est qu'au fond, vous avez des gens, des membres du RDPC, qui reconnaissent quand même que sur le terrain, effectivement, si le MRC avait accepté de participer, eh bien, ils auraient des difficultés. Moi, j'ai suivi récemment une interview de certain Roger Foué, qui est candidat RDPC au municipal de Yaoundé 4, et qui dit, attention, nous avons quand même des communes qui auraient été en danger si le MRC participait à cette élection. Le poids électoral est quand même là. Ben, c'est incontestable. Arriver deuxième à une élection présidentielle, d'autant plus que on sait l'implantation du RDPC, c'est ça. C'est déjà beaucoup. Donc à partir de là, moi j'ai en fait peut-être c'est radical ce que je vais dire. Je crois qu'on a en face un monsieur. Mais les gens ont le droit de leur choix politique. Quand même. Bien évidemment. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que le leader du MRC est égocentrique. Pourquoi je le dis? Je le dis, c'est aussi simple que ça. Hein. Il était le premier à dire que, écoutez, si on ne va pas aux élections, c'est pas bon pour notre parti. En 2018. Non, il allait au présidentiel. Mais je parle du double scrutin du 9 février.
le parti préparait déjà ses candidatures. Et puis, quelques semaines après, il renonce à ce qu'il a dit. Et c'est pour cela que je parle d'égocentrisme. C'est-à-dire, ce monsieur, j'ai l'impression qu'il veut être seul. À bon, partir du moment où... Les raisons évoquées, vous les entendez ou pas? Mais je vous dis que ces raisons, c'est une espèce de poker menteur. C'est une espèce de poker menteur. Pour, c'est-à-dire qu'on assiste, à une espèce de verbiage vaseux où des gens ne disent absolument rien. Pourquoi est-il allé à l'élection présidentielle? Qu'on ne puisse pas faire campagne librement dans les zones anglophones. Mais c'est complètement faux. C'est complètement faux. Tout est calme dans les régions anglophones de votre pays. Non. Le dire serait mensonger de ma part. En revanche, ce discours de ce parti est essentiellement dans la menterie. C'est essentiellement la menterie. Pourquoi je le dis? Je le dis simplement parce que quand vous êtes aujourd'hui sur le terrain camerounais, sur ce qui se passe aujourd'hui au Nozo, oui. Je crois que tout le monde est au courant que la solution, c'est en train de s'améliorer. Oui, sauf que pour autant, quand on dit « je ne peux pas faire campagne, je ne peux pas participer à une élection aussi longtemps qu'il y a des régions de mon pays où je ne peux pas, où la situation sécuritaire est volatile. » Je vous dis que c'est mensonger. C'est mensonger. C'est-à-dire que c'est une façon de vouloir faire, c'est très noble, hein, on va dire, hein. De prime abord, on se dit c'est hyper noble. Oui. Voilà quelqu'un qui aime les Camerounais. Pourquoi n'est-il jamais allé au Nozo? Ça, c'est la première question. La seconde réflexion que je peux avoir par rapport à ce sujet-là est simple. Je vous dis qu'on est en face de quelqu'un qui est essentiellement égoïste, d'accord, qui ne veut pas que des gens soient élus. D'accord. Moi, je vous dis que des gens pouvaient être élus au MRC, d'accord, dans très les mairies, etc. D'accord. Voilà, il va être seul. Voilà, c'est très rapidement. Quelqu'un répondez-vous à Alain-Jules Meunier ou à Marc-Une Couture très rapidement. Oui, M. Meunier dit que le MRC dans le verbiage vaseux. Bon, parfois, quand on a un miroir devant nous, on est incapable de voir notre propre reflet. Oui. Pourquoi Maurice Kamto ne va pas au Nozo? Parce que justement, contrairement à vous, nous disons que le pays est sinistré. C'est assez amusant de réclamer de nous d'aller là où nous disons que c'est dangereux et où vous disiez c'est en paix. Vous allez au Cameroun bientôt, c'est nous qui vous disons on aimerait vous y voir puisque tout va bien. Le MRC de Maurice Kamto. Les gens y vivent, hein. S'il vous plaît. Le MRC de Maurice Kamto, dans quelles conditions? Les gens vivent aussi en Syrie et en Irak. Alors, le MRC dit je vais y aller aux élections législatives et après le MRC voit comment les sous-préfets désertent les bureaux, comment les gens se font molester par les sous-préfectures. Vous n'aimez pas les faits parce qu'ils ne vous plaisent pas. La politique, ce n'est pas ce que je veux voir. Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'année. Je vous redonnerai bien entendu la parole pour poursuivre votre argumentaire. Claude Wilfried et Kanga et Kanga, à tout de suite.